La victoire dans un match un peu bizarre, pas vraiment d'intensité, il fallait être présent derrière. Comment tu l'as vécu sur le terrain? Ouais, ça n'a pas été un match facile, ils ont besoin de points, on est à domicile, on doit faire le jeu. Quelques erreurs techniques, on n'a pas réussi à jouer comme on voulait, on n'a pas réussi à poser le jeu comme il fallait. Mais bon, l'essentiel est là, on a eu les 3 points, on a mis de la détermination. T'en tenais beaucoup en plus aujourd'hui? T'en tenais beaucoup, oui. Bon, bah, des fois c'est un autre. Bon, là aujourd'hui c'était moi, tant mieux. Mais après, c'est collectif, individuel, ça passe après. Tout à fait, c'était pour saluer la performance du joueur. Moi je suis obligé d'en parler, Xavier ne voulait pas en parler, ce profil, sans parler de la coupe, ce profil junior, comment d'abord? Ouais, bon, bah, c'est vrai qu'on est quand même bien, on met la pression pour demain. On leur met la pression pour demain, c'est bien d'être arrivé là. Avoir pris les 3 points et puis avoir pris la tête du classement avant ce gros match à venir. On sera attendu, on sait, mais on a nos cartes à jouer aussi. Même si on a eu quelques déchets techniques aujourd'hui, on y va avec de l'ambition. Hein, écoute, bonne chance. Et puis prochain match Angoulême. Ouais, Angoulême-Leroy, ouais. Coupe de France. Coupe de France, avec les maillots. Déjà. Avec les maillots, bon, c'est déjà ça d'acquis, mais on ne veut pas s'arrêter là non plus, on veut essayer d'aller plus loin. D'accord. Donc. Rendez-vous avec Monaco ou Paris, on va dire. Ouais. Hein, pour voir le football amateur. À plus.